Salut, c'est JC sur l'essentiel.lu. Je compte sur vous pour me soutenir dans Dilemme tous les jours sur W9. Un dilemme, c'est la nécessité de choisir entre deux possibilités ayant chacune des inconvénients. Dilemme, c'est aussi depuis le 20 mai la nouvelle émission de télé-réalité de W9. Jean-Charles est beau gosse, musclé et c'est un sacré travailleur. Je suis responsable d'un bar. J'aide mes parents aussi, ils ont un restaurant. Et mannequin, et j'essaie d'être comédien. Avec tout ce boulot, le luxembourgeois trouve-t-il encore du temps pour se faire plaisir? JC a-t-il quelques passions? Mes passions, le cinéma, la mode, le sport. Je touche un peu à tout. Là, spécialement, je fais beaucoup de fitness, entretien, ouais. Alors, avec une vie si bien remplie, pourquoi JC se retrouve-t-il dans Dilemme? La cagnotte? Non, pourquoi je suis dans Dilemme? J'ai jamais participé à une émission de ce genre et ouais, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une bonne aventure, on peut bien s'amuser, on va rigoler, on va s'éclater. Et puis oui, surtout la cagnotte aussi. Comme les autres candidats, JC est prêt à tout ou presque pour gagner. Il y a juste une chose qu'il n'aimerait pas faire. Manger peut-être des animaux vivants, des trucs comme ça, des petites bestioles. Ça, c'est un peu dégoûtant. Et pourtant, il faudra peut-être passer par là pour réaliser son rêve. Mon rêve dans la vie, d'être comédien, un jour. Et c'est pas facile, ça fait 12 ans que j'essaye. Bon, 12 ans que j'essaye à mon rythme, hein. Faut bien que je travaille à côté parce que c'est pas... J'en vis pas, malheureusement. Oui, mon but, c'est d'être un jour comédien, réussir dans le cinéma. Alors quand on demande à ce garçon ambitieux ce qu'il ferait de la cagnotte s'il la gagne, il répond sans hésiter. Je prends un billet d'avion et je me casse à Los Angeles. Je déménage. JC, ira-t-il retrouver un certain JCVD à Los Angeles? C'est à vous de le décider. Ou pas? Cruel dilemme.